Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien depuis la dernière fois et aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel en musique et bien sûr je vais mettre en description les musiques que j'ai utilisées dans la vidéo. Alors pour commencer et tout ça, pour pouvoir avoir les bases un petit peu et tout ça sur le montage des miniatures, alors vous aurez tout d'abord besoin de l'outil de capture de Windows. Vous aurez juste à taper dans la barre de recherche de Windows Capture, vous cliquerez droit dessus et puis ensuite il y aura marqué l'option attacher à la barre de tâches, ou sinon vous pouvez l'épingler au menu démarrer ou l'épingler à la barre des tâches, mais moi je vous conseille de l'utiliser, de mettre dans la barre des tâches. À partir de là, dès que vous aurez fait ça et que vous l'aurez attaché à la barre de tâches, du coup à partir de là, il faudra ouvrir une page Google et marquer Canva. À partir de là, une fois que vous aurez tapé Canva, si par exemple sur, je vais vous donner des idées de comment on pourrait dire ça, des idées de photos en fait. Par exemple, moi sur ma chaîne YouTube, j'ai à peu près beaucoup de vidéos par rapport à ma chaîne YouTube et tout ça, et je vais aller sur vidéo, et c'est là que l'outil de capture d'écran Windows interviendra. Alors on va juste faire nouveau et puis ensuite je vais prendre cette capture là. Voilà, je vais faire fichier enregistré sous et je vais faire miniature test YouTube. Voilà, ensuite ben, je vais fermer ça, on n'en aura plus besoin maintenant. On va y aller sur Canva, créer un design, je vais aller sur présentation. On n'a pas besoin de chercher miniature YouTube ou un truc comme ça, parce que c'est notre été qu'on va pouvoir faire et tout ça. Non, pas parce que si par exemple on demande un thème, il va donner des exemples de thèmes. Par exemple, je vais faire On va faire une importation de l'image qu'on a choisie au préalable. Voilà. À partir de là, je vais prendre miniature test YouTube. Voilà, je vais la mettre ici. Je vais bien la caler, bien ici. Tac. Là, vous voyez que ça déborde déjà. Et là, c'est nickel. Là, c'est nickel. C'est à peu près un travail propre. Là, on n'a pas terminé, bien sûr. On va choisir la police des textes. Vous allez sur texte et vous aurez toutes les polices que vous voulez. Si par exemple, vous voulez une police comme ça, ou une police comme ça, ou une police des textes comme ça. Moi, personnellement, je choisis cette police-là, bien sûr. Je vais cliquer dessus. Voilà, comme ça me fait... Je vais en prendre 3 à peu près. Voilà, dès que j'ai les 3, nickel, on peut commencer le taf. Là par exemple, là j'ai marqué comment. Je vous laisse maintenant écouter cet extrait. Là j'ai marqué faire ça. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Miniature. Désolé pour la faute de frappe. Miniature. Alors, je pouvais marquer miniature YouTube, mais ça fait trop long. Et je ne l'ajoute pas YouTube. Et je vais vous expliquer ça tout simplement dans la vidéo. Voilà, donc on entend. Là, je vais un peu l'agrandir le texte. Celui-là aussi, je vais un tout petit peu l'agrandir. Et celui-là, je vais l'agrandir comme l'autre. Voilà, les petites miniatures, je les laisse là. Je vais faire un peu, je vais intercaler un peu comme ça, je vais avancer un peu tout ça. Voilà, là c'est juste des idées que je vous donne. Vous pouvez faire comme moi, vous pouvez faire
pas pareil que moi. C'est selon vos goûts à vous. Si vous voulez ajouter du détail, vous ajoutez du détail. Si vous voulez pas ajouter du détail, vous ajoutez pas du détail. Si vous voulez pas mettre de couleurs unies, vous ne mettez pas de couleurs unies. Si vous voulez mettre des couleurs unies, vous mettez des couleurs unies. À partir de là, on va cliquer sur l'image. Attends. On va cliquer sur l'image et on ira sur effet. Par exemple, moi je voudrais cet effet là. Attends. Voilà, c'est Liquify. Et moi j'aime bien l'effet smudge. Voilà. Et je vais mettre par exemple, je vais regarder sur effet et je vais mettre une couleur. Par exemple, j'ai envie de mettre de la couleur bleue. Voilà, j'ai mis de la couleur bleue. Et là c'est fini, le tutoriel est fini. Non, bien sûr que non, le tutoriel continue. Je vais pas oublier celle-là. T'inquiétez pas, c'est une blague. Par exemple, j'ai fait des miniatures au préalable, par exemple, parce que moi, dans le thème de la vidéo, j'aime bien mettre la mascotte de lapin, car j'en ai un. Je vais chercher le logo YouTube. Voilà, je vais prendre le logo du lapin. Je vais prendre sans manger. Je vais faire en sorte qu'il fasse une petite action. Voilà. Et là c'est bon. Là votre miniature est parfaite. Non, je rigole avec vous. C'est pas fini, bien sûr. C'était une blague. Bien sûr, après c'est selon vos goûts. Vous pouvez faire pareil que moi, vous pouvez faire autre chose, mais c'est selon vos goûts, comme je dis depuis tout à l'heure. Par exemple, le petit lapin, je vais le mettre petit. J'ai pas envie qu'il prenne trop de place. J'ai pas envie qu'il prenne trop de place en fait dans le. Voilà. Je pense qu'il est trop gros le lapin. Voilà, un peu petit. Voilà, il est gros le lapin. Voilà, je l'ai fait presque à la taille de la... Voilà. Là, le lapin, par exemple, quand je décris l'action, le lapin, il se dirige vers sa gamelle et il mange des carottes. Là, si je décris cette action. Là, par exemple, moi, j'ai choisi de faire du bleu uni. Alors, je vais chercher du bleu. Mettre plutôt du bleu pétant. Voilà, là, je vais le mettre en blanc. En fait, je recopie un peu ce que j'ai fait au préalable, en fait. Ce que j'ai fait au préalable. Voilà, un bon bleu comme ça. Je vais mettre... Je vais mettre miniature en bleu. Voilà. Et c'est le thème de la vidéo. Donc, je vais le surligner en bleu. Ouais. Et ça, je vais les mettre en blanc. Voilà. En blanc, ça c'est pas trop ce qui est important. Je vais mettre du noir pétant par exemple ici. Voilà pour le YouTube. Voilà, je vais essayer de l'agrandir au maximum. Pas trop pour que on arrive à voir un peu ce qui se passe derrière. Voilà. Je vais prendre un autre élément. Par exemple, on est en vidéo. Par exemple, j'ai mis un micro bleu, tu vois. Et donc, du coup. Vu qu'on est en micro, vu que j'ai mis un petit micro comme ça, je vais mettre un petit rec. Je vais m'amuser à mettre un petit rec par exemple. Alors ça, du coup, on clique droit dessus et on le fait reculer d'un niveau. Voilà, et il se retrouve directement sur. Voilà, je vais pas trop le rapetissir. Voilà, il faut que lui par exemple, il morde à peu près sur le rec. Voilà, et là votre miniature est prête pour être uploadée. Je vais faire quelques petites modifications. Par rapport à ce petit truc là. Voilà, ici le petit bouton. Moi j'aurais bien aimé faire mettre une miniature animée, par exemple genre ce truc là il change de couleur, par exemple il change de couleur et ça change de couleur aussi, vous voyez un peu,
Genre par exemple quand il rec, tac, ça change de couleur, ça se met en rouge et ça clignote par exemple. Le truc rec il clignote. Voilà, c'est ce que je voulais faire un peu, mais je pense pas qu'on peut faire ça sur la plateforme YouTube. Et donc voilà. Mais ce qui est moi ce que je trouve important dans la miniature, c'est mettre le thème de la vidéo. Par exemple, le thème de la vidéo miniature, séparer les couleurs. Par exemple, comment faire ça miniature, et le miniature on le met en bleu. Vous voyez que j'ai mis comment faire ça en blanc. Ça c'est le texte, ça c'est le texte de commencement, et le thème de la vidéo c'est miniature bien sûr. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait j'ai un peu genre différencier un peu les couleurs, c'est pour ça. À partir de là, ben, vous prenez l'outil de capture et vous capturez le, voilà. Voilà, vous le capturez, vous faites fichier. Enregistrer sous, vous mettez voilà, vous faites enregistrer, et là vraiment là le tutoriel est fini. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo va vous aider à commencer un peu sur YouTube. Et merci pour m'avoir donné les 902 abonnés, merci pour vous avoir pour m'avoir donné de la force, et je compte sur vous, tout ça, vous faites ma force, et merci pour votre patience, merci à tous.